C'est parti. J'espère en trouver des choses. Toujours un... Non mais je vais déjà acheter celui-là sûr. Non. Non mais je voulais dire, mais vous prenez pas les belles, hein. Mais attention. Non, moi je l'ai dans les bois. Vous êtes combien les jeux? C'est tout ce que vous avez, monsieur? Oui, tout ce que là. Bon, c'est sûr. Ça c'est 10. Ah oui. Tenez, je vous laisse ça aussi. Ça marche. Voilà. Ok, là, déjà c'est pas pour moi. De toute façon, je l'ai déjà. Les branches, je savais que... Bah j'imagine. J'ai un client pour ça. Ok. Bon, vous les vendez combien du coup? Je m'en ai pas dit prix. Tu l'as 10. Ok. Tu l'as 5. D'accord, ok. Bien. Merci hein. Hop là, pardon. Bonne journée, au revoir. Voilà, c'est... Du coup, la brocante est terminée, je rentre et place au compte-rendu. A tout de suite. Salut et bienvenue sur le compte-rendu des brocantes. Aujourd'hui, j'ai été à Montparnasse et honnêtement, c'était pas terrible. Mais, comme toujours, à chaque fois, il y a quand même quelques petites choses. Alors là, essentiellement, c'est du DVD. Hein. Malheureusement, je crois qu'il y a un seul jeu vidéo. Il y a un seul jeu vidéo et après le reste c'est que du DVD. Donc c'est parti, on commence. Hop là, je prends la besace. Enfin, donc là, c'est une blonde en or avec Milo Ventimiglia et Maggie Lawson. Par contre, la fille, waouh, faux. Ça, c'est un avion de chasse, hein, si je m'y connais pas. Avec Eddie, Kay et Thomas d'American Pie. Ah oui. Pose quelqu'un, oui. Je me rappelle de lui, ça y est. Ouais, bah ça va être dans, à mon avis, ça va être dans la lignée de mariés. Comment ça s'appelle? Ah, j'ai oublié le nom du film. American Pie, pardon, voilà ça. C'était American Pie, oui, bah, c'est marqué dessus en plus, American Pie, quel con. Ouais, c'est bien être dans la lignée de American Pie. Donc la fille, elle est vraiment mignonne. On va bien avoir son number. Le CD, ouais, ça va, il est propre, nickel. On passe au suivant. Alors là, c'est un nanar avec Alec Baldwin et Kiba Singer dans Guet-apens. Donc là déjà on voit un flingue, déjà c'est bon signe. Je sais pas, il me fait penser un peu à Nicolas Cage comme ça. Donc hop, c'était dur à ouvrir. Donc le DVD il est propre.
toute façon, là, essentiellement, ce que j'ai récupéré à la brocante d'aujourd'hui, c'est que du DVD. Donc, et vous allez voir qu'à la fin, il y a une belle surprise. Bon, c'est pas, j'ai pas trouvé le jeu vidéo, mais j'ai vu quelqu'un de connu. Vous allez voir, je vous en parle après. J'ai pris, voilà, j'ai pris ce DVD aussi. C'est La guerre des drogues 2, le cartel des cocaïnes. Avec Alex MacArthur, Denis Farina et Julie Carmen. Un film de Paul Crassi. Moi j'ai vu ça, des flingues, cocaïne, je me suis dit, ah, ça me fait penser à Far Cry. Donc du coup, je me suis dit, tiens, ça va être pas mal ça. Donc c'est sorti quand ça, 2001. Et d'ailleurs, les autres, c'est celui-là, c'est 2000. Et l'autre, je crois que c'était 2004. J'avais vu déjà. Au suivant, c'est parti. Alors, c'est un film avec Brian Dennehy et Trent Williams, donc je ne connais pas du tout. Je crois que sa tête, il me dit quelque chose à lui, là, le mec, là. C'est La loi de Chicago. Un pourri au-dessus de tout soupçon. Un seul flic pour le faire tomber. Ouais, à voir. Moi, je dirais, ça serait, oh, vu les coupes de cheveux, là, un œil Bernard ou quoi, la fille? Ouais, ça. Elle a une telle gueule. Ah, c'est 2003. Ah, plus bizarre. Ça, c'est 2003, bah, donc. Je suis un peu étonné, ça. Un film comme ça. J'ai un doute là. Moi, c'est pas l'année du DVD. Un autre DVD que vous avez pu voir, je crois que vous les avez vus, il me semble. Dans le Weekend Live, vous avez dû voir les images. Je me suis dit, tiens, ça va me dire quelque chose ça. C'est un film des années, à mon avis, ça doit être un film des années début 80. Voilà. Il y a deux DVD. Ah, vous voyez, comme quoi, je n'ai pas regardé. Ah, oui, il y a deux. Ah, oui, d'accord, c'est un autre volume. Alors, ça, c'est. Naphtaline, le zoo, et à l'intérieur j'en ai deux, j'ai Naphtaline la fête et Naphtaline le zoo. Alors celui-là, putain, mon dieu, waouh, oh ça pique. Alors ça va être pas mieux pour celui-là, à mon avis. Oh putain, la vache, c'est vachement rayé, hein. C'est vachement rayé. Bah, c'est pas grave, hein. Pour un euro, hein, ça mange pas McDo, hein. Donc c'est une série, il y a 15 aventures. Donc 15, vu que là j'en ai 15, et vu que j'en ai un autre DVD, donc ça va faire. Forcément 30 épisodes. Ça dure combien de temps ça? Alors le DVD est sorti en 95, en 2005 pardon, et c'est sorti en 99 ce truc. Ça, la Staline, ça date de 99. Ah, j'ai du mal à y croire. Hein. Ah, UFC, UFG Junior, ça me dit quelque chose, ça, j'ai déjà vu. Ça m'étonnerait que ce soit 99. Ouais, pourtant marqué 99. Moi, oui, c'est plus qu'à les 89, mais pas 99. Allez, on continue avec les DVD. Ah ouais, ça va être que du DVD, hein. Alors, pareil, il y a 9 sous-blister, comme les autres, là, il y en a quelques-uns que j'ai récupéré en sous-blister. C'est Double Take, un film avec Mark L. Wester. Deux Mark L. Wester. Un crime, un seul témoin, un suspect idéal. Suspect idéal. Il y a un gros flingue, là, on peut pas le louper, hein. Et il y a toujours le mec et la fille. Donc c'est un film qui est sorti en, moi je dirais en 94 peut-être. Un film qui est sorti en on n'a pas la date, non. On a marqué que dalle, bien que dalle. Bon, c'est pas grave. Les sous-blisters, bon il y a en français, c'est le principal, hein. C'est surtout ça qui est le plus important. Donc ça c'est du nanar, ah, ça me fait décolorer, hein. Bon, c'est pas grave. Donc ça c'est un bon petit nanar. À voir. On passe où? Toujours suivant. Regardez-moi ça. Regardez ça, la gueule du mec là. Franchement, ça, c'est du bon nanar. Alors, c'est Knights, les chevaliers du futur. Oh putain, ça a l'air. Chris Christopherson, Cathy Long et Lance Henriksen. Riksen. Putain, c'est pas du nanar ça. Waouh. Ça a pu les années 80, regardez. Bah, les années 80 dans ta gueule. Putain, là, il y a les années 80, ils sont sortis de la boîte là. Oh putain! Alors c'est quelle année ça? Je sais pas du tout, je connais pas l'année. Alors c'est la lignée de Mad Max apparemment, d'après ce qui est écrit. Entre science-fiction apocalyptique et arts martiaux, entre Mad Max 2 et Matrix. Bon bah déjà Matrix, vous voyez, déjà c'est dans les années 80, ouais, 90 plutôt. Non, il y a alors quelle date? Bien sûr, il y a la version française. Donc c'est le Knights, les chevaliers du Turfu. Et on continue donc du coup, on va faire ça.
Le Blue Tornado. Bon, toujours comme je vous ai dit, ça doit être entre 1 et 50 centimes le DVD. Je ne me rappelle plus, ça a été mélangé, donc je ne sais plus. Donc c'est le Blue Tornado Mission OVNI. Waouh, ça sert pas mal, j'ai pas vu qu'il y avait marqué Mission OVNI. Donc avec Dirk Benedict, Patsy Kensit et Ted McGinley. Mission Chuck. Donc le DVD est bien présent. Le CD, ouais, il y a quelques poussières, je veux savoir. Ça brille. Hein. Alors, ça parle de quoi? Donc ça va sans doute une sorte de truc à la Independence Day, un truc comme ça quoi. Donc à voir. Ça a l'air pas mal. 91. Ouais, là, quand même. Ah, mais je connais sa tête à elle. Il me dit quelque chose. Je sais pas si vous la connaissez, mais sa tête me dit quelque chose. Ouais, j'ai dû la voir dans un autre film. Je sais pas qui c'est. Mise à pied. Façon supérieure. Hein. Ah, ça, elle s'appelle Patsy Kensit. Ah, c'est dans l'Infantale 2, ok. Ok, c'est dans l'Infantale 2. Je connais quelqu'un qui a la même tête qu'elle. Au travail. Je travaille à la même tête. Donc c'est Blue Tornado Mission OVNI. Et hop là. Là, c'est un nanar, mais horrifique. Regardez-moi ça. Hurlement 6. Bon, il me faudra les 5 autres. Hein. Là, ils ont quand même réussi à aller jusqu'à 6, hein, quand même. C'est fort. Hein. De venir faire 6 hurlements. Donc c'est l'ultime combat contre les forces des ténèbres. Oh là, oh la vache. Les monstres sont en vie là. Alors là, j'ai hâte de voir ça. Est-ce que le DVD est rayé ou pas? Non, c'est nickel, ça va. Ça va passer. Oula. Oh, le CD, il y a une texture bizarre. Hein. C'est un vrai ou quoi? Oh, il y a quelques rayures, mais bon. C'est pas un gravé, ça c'est sûr. Oh, oh la gueule du machin. Oh, oh la vache. Alors, je sais pas si on verra bien l'image. Voilà. Oh la gueule du truc. Les effets spéciaux des années 80. Eh hey, les années 80, reprenez vos effets spéciaux. Ah non, 91. C'est bon, c'est beaucoup de 92. Hurlement 6, les loups-garous sont de retour. Bon bah, à voir. Hein. Ça pue le nanar, ça. Ça a l'air pas mal. Et là, oula, j'ai failli faire tout tomber. Et là, on va faire des films avec un acteur. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Bon, il y a un petit truc qui s'est passé dans cette brocante. Ouais, j'ai même vu deux personnalités connues aujourd'hui. Bon, la deuxième, je suis pas sûr à 100%. C'est une animatrice télé sur une chaîne d'infos. Je suis pas sûr à 100% que ça soit elle, après. Mais il lui ressemblait vachement. Mais la première personne que j'ai vue, c'est un acteur américain que j'ai vu. Et j'étais en train de regarder, comme d'habitude, dans les bacs à DVD. Je choisis les films, parce que moi j'adore ça, les nanars. Et là, je me suis dit, tiens, si je prenais les nanars avec cet acteur. C'est un acteur à l'équivalent de Chuck Norris. Hein. Et d'un seul coup, il y a un mec qui était juste en face. J'avais vu s'approcher. J'ai pas prêté attention à sa tête, tout ça, tout. Et en prenant les DVD, à un moment, le mec, il me fait... il était mastoc, hein. Le mec, il était massif, énorme, il était grand. Et d'un seul coup, il me fait... Genre, il me fait ça, je prends les DVD, et il me fait... Ça, bon film. Et cet acteur, avec un accent américain, hein, il parlait en français. Parce que j'ai compris ce qu'il a dit. Et cet acteur, c'est... Steven Seagal, à Paris. Et j'étais tellement sur le cul, parce qu'au début j'ai pas reconnu, parce qu'il était, il a vieilli, il était plus gros, il était mastoc, très grand, il avait quand même les cheveux gris, un peu gris. Je l'ai pas reconnu sur le coup, donc du coup j'ai pas prêté attention. Et j'ai laissé partir, et après je suis mais non, c'est pas vrai, c'était Steven Seagal le mec que j'ai vu. Bon, alors c'est un sosie qui lui ressemble, mais je suis sûr que c'était lui. Hein. Il avait l'accent américain, il était mastoc. Il lui ressemblait vachement, c'est que là il y a de fortes chances que ce soit lui. Donc j'ai pas eu le temps de. J'ai pas filmé, malheureusement, parce que j'avais plus de place sur mon téléphone. Je connais pas avoir mis sa puce dans le téléphone. Puis comme je trouvais rien, je me suis dit, ça sert à rien de refilmer encore les DVD. Donc du coup, j'avais pas filmé. La connerie pour le coup. Donc c'est pas la première fois que je vois des personnalités connues en brocante. Parce qu'il y a un an, j'avais vu à Neuilly personne à faire conclu. Vous voyez dans la vidéo, quand je récupère la Dracofeu Shiny. D'ailleurs, une journée incroyable. Hein. Du coup, voilà, j'ai récupéré pas mal de DVD avec Steven Seagal, dont le Today You Die Double Riposte. Je me demande s'il n'est pas en anglais celui-là. Ah non, c'est bon, il est en français. Parce que j'ai un seul coup, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, le titre est en anglais. Non, c'est bon, il est bien en français. Ceux qui l'ont trahi vont le payer très cher. Alors pour moi, les films de Steven Seagal, c'est en dessous de Chuck Norris. Voilà, il y a Chuck Norris, il y a Jean-Claude Van Damme, tout ça. Et Steven Seagal fait partie des acteurs que j'adore, quoi. Ah, c'est vraiment des nanars, hein. Today You Die, voilà. Donc je vous ferai montrer quel DVD il a tapé dessus. Je vous ferai montrer après.
Donc c'est le Today You Die double riposte avec Steven Seagal. Et on n'a même pas le nom de l'acteur, hein. Il a voulu mettre son nom dans le film. Et ça date de quand ça? De 2005. Un autre film que j'ai pas fait montrer, mais c'est pas avec Steven Seagal là, cette fois-ci. C'est avec David Caruso, je connais, ça me dit quelque chose. Suzanne Haskell et Thomas Ian Griffith. C'est le Black Pont. Regardez-moi ça, toujours un flingue. Une personne, un flingue, et y a pas, par contre là, il n'y a pas d'explosion. Donc avant lui, il n'y aura peut-être pas d'explosion. Alors, un homme fuyant son passé, une femme sans futur, réunie dans un jeu mortel. À voir ce que c'est. Ah oui, la fille est mignonne. Alors, cette année, ça, 2003. On a le son 5 mois. J'avoue que je préfère les films des années 80-90, mais bon. C'est toujours ça à prix. Hein. De toute façon, pour 50 centimes ou 1 euro, hein, ça mange pas de McDo. Hein. Ah oui, j'avais encore oublié un DVD. Le Rebelle. Non, c'est pas le Rebelle, c'est le Lorenzo Lamas dans Final Impact. Et Lorenzo Lamas, c'est le Rebelle. Une série qui passait sur TF1 le matin à la place du Club Dorothée. Quand il n'y avait pas le Club Dorothée dans la semaine, le Rebelle. Un renégat parmi les renégats. Comment ça s'appelait, je me rappelle plus du générique. Donc voilà, c'est le Renégat. C'est pas René qui est un gars, mais c'est le Renégat. Non, c'est le Final Impact. Lorenzo Lamas, l'étoffe d'un champion. Donc ça doit être un truc de wild box. C'est ça. Du kickboxing pur et dur. Bon, en fait, j'ai surtout pris parce qu'il y avait Lorenzo Lamas. Hein. J'avoue que on dirait Mortal Kombat là, le logo en bas. Kickboxing. À voir ce que ça donne. C'est que des films avec Steven Seagal, normalement je dis pas de conneries. Donc on va faire celui-là. Et c'est sur celui-là où il a mis son gros doigt dans le mec. Il a fait comme ça. Ce film-là, c'est bien. En fait, pareil, parce qu'il s'était vu sur le DVD à mon avis. Donc encore Steven Seagal, bah, c'est la même gueule que l'autre. Hein, regardez. C'est même Metropolitan. Vous voyez. C'est même les typos d'écriture quasiment, sauf que la couleur est différente. C'est Piège en eau profonde. KS, donc il y a vraiment beaucoup d'eau profonde. Donc infiltrer, neutraliser, détruire. Bon, voilà, c'est tout dit. Ça, quand vous voyez ça sur un DVD, c'est que c'est un bon film. Donc le DVD est dedans. Bon, il a un petit peu de rigueur, mais c'est pas trop grave. Et on a une explosion. Ça sent bon ça. On a des flingues, des hommes, une explosion et des femmes. Donc c'est sorti en 2004. Hâte de voir tout ça. Il reste encore quelques... Ouais, il reste pas mal de DVD avec Steven Seagal maintenant. Encore un autre, pas toujours pareil, de la même édition, Metropolitan. Allez pour l'enfer. Donc ça doit se passer en Chine, à mon avis. Là, je vois une baraque. Il me semble que c'est en Chine. Et là, il y a un ninja. Ninja. Donc il va devoir se battre contre des ninjas. Et là, on a une fille qui va se faire kidnapper. Parce qu'on voit qu'elle est bandée au niveau des yeux. Hein. Donc le DVD est présent, il est parié, je vous avoue que j'ai même pas regardé les boîtes, j'ai pas regardé les tables, je les ai pris comme ça. Donc pareil, je les ai pris entre 1 et 50 centimes. Cela c'était 50 centimes, oui. C'était 50 centimes. Donc ça se passe, il n'a jamais respecté la règle et cette fois il n'y a plus aucune règle. Ok, bon on a pas mal de bonus. Bon, la bande annonce VF, VO. Non, la bande annonce et les bandes annonces, voilà, pardon. C'est sorti en 2003. Et toujours dans l'édition métropolitaine. Donc c'est bien pas, ça fait une collection. C'est bien, toujours sympathique à prendre. C'est Michael Dudikoff, qu'on avait vu dans un autre film que vous avez fait montrer récemment, dans Fugitive Mind. Et franchement, rien que voir ça, moi déjà, c'est le fameux Michael Dudikoff. Donc là, on dirait Zordon dans Power Rangers. Ça n'a rien à voir. Franchement, c'est à voir le film. Donc le DVD est dedans, ça a l'air pas mal. Moi, en fait, je me fie à la jaquette, en fait. Quand je vois une jaquette et que ça me donne envie, ben, je le prends. Et pour moi, c'est très clairement un nanar, et je pense que pour vous aussi, c'est un nanar. Donc le DVD est présent. Ah tiens, il est pareil que l'autre, là. Il y a des espèces de... Ouais, c'est bizarre, la texture, il est tout lisse. C'est très bizarre. Bon, peu importe, hein, du moment qu'il fonctionne, c'est principal. Oh, la fille, elle gueule, hein. Un cauchemar génétique. Une course de vitesse pour déjouer le piège des scientifiques. Ah, pas mal ça. Donc sorti quand 98. Parce que 2004, non, impossible. Hein. Vu la gueule de la fille, là, non, impossible, y croyez pas. Hein. Une édition Warner Bros. Alors là, le mec, il m'a dit, il est tout neuf, en fait. Il a déblisté devant moi, j'ai fait, mais pourquoi il a déblisté ce con? Il était tout neuf, donc ça va. Oh, ah, putain, il est dur. Ah, voilà, c'est bon. Ah, mais je la connais, elle. Elle me dit quelque chose. Alors c'est con, ce con, il a déblisté devant moi. Warner Bros. Hop, je sais pas si on le verra bien.
Hop, c'est ça les DVD Warner. Donc ça commence un petit peu à être recherché les DVD cartonnés. Hein. Du coup, il y a le CD, il est tout neuf. Donc c'est un trois agents du FBI qui ont mystérieusement disparu, l'un après l'autre. Donc à voir. Donc là, on avait le choix, hein, comme d'habitude, dans tous les DVD, français, anglais, italien, tutti quanti. Donc c'est un film avec Steven Seagal. Vous voyez, il n'y a que lui, hein, l'affiche. Hein. Il y a une autre fille, mais non, il n'a rien à foutre. Steven Seagal, rien à foutre des autres. Hein. Et l'autre fille, c'est Menace Toxique, Marco Wahlberg. Ah oui, c'est connu, Mark Wahlberg. Mark L. Jemberg. Putain, c'est dur à prononcer. Hein. Harry Dean Stanton, Stephen Lang et Chris Christopherson. Ah bah tiens, Chris Christopherson qui sera un autre DVD là que j'ai ici là. Donc voilà, c'est le Menace Toxique. Donc ça, ça a l'air pas mal. Donc c'est Mission Alcatraz. Ah, il y a un petit livret à l'intérieur. Il y a un petit livret et puis, ah bah tiens, il y a une petite publicité. Vous voyez, comme quoi on découvre des choses. Donc est-ce que c'est que des films avec Steven Seagal? Non. C'est Mel Gibson, The Patriot, on a Self Control, on a Nuit de Terreur. En fait, c'est que des nanars. Hein. Autofocus. Ah bah tiens, faut que là, mon téléphone fasse autofocus du coup. Dune. Il y a marqué quoi là? Bichumo. Putain, je ne connais pas du tout. Fureur. National Security, ouais, ça se connaît. La mission Alcatraz, ben, c'est celui que j'ai pris là. Donc là, ça doit être les chapitrages, les bonus, les trucs comme ça, non? Ouais, chapitrage, et puis on a les DVD de la série. C'est quelle collection ça? Qui est-ce qui fait ça? C'est Paramount Pictures qui fait ça. Donc c'est tous les petits films Paramount. Donc on a Godzilla que je connais très bien, Espion et Demi que je connais très bien, Rollerball, bah, y a Dinken normalement, Rollerball. Je dis pas de conneries. Ah, il y a aussi Jean Reno. Ah, il n'y avait pas Dinken dessus, non? Jean Reno, non, non. Ah, non. Non, non, je confonds. On a Bad Boy que tout le monde connaît. On a l'affaire Van Aken. On a The One. À l'aube du sixième jour. Mauvais Pêche. Time and Tide. Desperado et El Mariachi. Vertical Limit, ça c'est avec... je sais plus qui, Romain Tovel, j'ai oublié son nom. Panic Room. Ah oui, encore plein de films d'ailleurs. Ah bah oui, c'est les films les plus connus là. Men in Black 2, The Gladiator, Spider-Man, Triple X, La Momie, Fast and Furious, Le Faucon Noir, Stewart Little 2, Final Fantasy, Hannibal, The Patriot et American Pie 2. Bah décidément, on entend parler d'American Pie. Donc du coup, on a le petit DVD qui est en... Oh, il y a des empreintes dessus, donc il n'est pas tout neuf. Donc voilà pour les films avec Steven Seagal que j'ai aperçu aujourd'hui. Heureusement, j'aurais bien voulu prendre une photo avec lui, mais comme un con, j'ai pas demandé. Et j'ai laissé partir en sachant pas qui c'était au début, c'est après que mon cerveau a tilté. Autant que moi je réalise hein, mon cerveau. Alors j'ai pris un petit livre, hein. C'est assez rare, mais j'en ai pris un, parce que forcément, voilà, c'est Spock. Pareil, ça c'est la légende aussi, hein. Spock c'est magnifique, hein. C'est génial. Donc là, et en plus c'est une image, c'est un dessin, franchement, il est juste magnifique. Bon, je l'ai payé 1€, c'était tellement beau. Donc c'est Super Star Trek, fait par Diane Duane, Univers de Spock, l'univers de Spock. Donc ça c'est tout le roman en fait sur Spock. Voilà, sur 383 pages. Donc là vous avez le synopsis. Le synopsis, il valait 40 francs apparemment à la FNAC. Ah non, 42 francs. Ils ont dû arrondir à 40. Hein. En 94. En novembre 94. L'étiquette. Le conseil Vulcain songe à l'impensable, se retirer de la Fédération des Planètes Unies. Si une telle décision était prise, l'équilibre de la galaxie ne tiendrait plus qu'à un fil. Kirk et l'Enterprise doivent ramener Spock sur sa planète natale au cours du procès où il jouera l'avenir. Le témoin capital sera le fils de Sarek et d'Amanda. Tandis que l'histoire de son peuple est évoquée, le Vulcan se pose une obsédante question.
à qui rester fidèle. Par Diane Duane, une aventure inédite de l'équipage de l'Enterprise. Donc c'est un livre qui est sorti, un roman qui est sorti en 94. Et c'est le numéro 22. Donc il va y avoir déjà 22 numéros. Donc je sais pas, j'ai pas suivi du tout ça. Et on arrive aux deux dernières choses. Donc la première fois que je prends un Blu-ray dans les comptes rendus, dans les vide-greniers live que vous avez pu voir, c'est mon premier Blu-ray, si je dis pas de conneries. Hein. C'est The Amazing Spider-Man Evolution Collection. J'ai même pas vu que c'était marqué Evolution Collection. Alors c'est quoi exactement? Découvrez Spider-Man tel que vous ne l'avez jamais vu. Avec ces deux films. Ah oui d'accord, il y a les deux films. Donc il y a le film Spider-Man, Amazing Spider-Man 1 et 2 du coup. Ah, j'avais pas fait gaffe. Du coup, c'est très bien. Au début, j'avais cru que c'était un jeu PlayStation. Vous voyez, parce que le bleu, PlayStation 4. Parce qu'il était bleu et puis il y a Spider-Man. Pas vraiment, mais bon. Alors, je l'ai payé 3€. Bon, si vous voulez le code, si ça intéresse quelqu'un, voilà, je vous offre le code. Mais à mon avis, peut-être qu'il a été validé. Si ça se trouve, il est même plus valable. Je regarde. Donc, c'est pour vous, c'est cadeau. Vous notez le code 3ZUZU-2QPQ-YPBU-A7T8. Et ouais, effectivement, on a deux Spider-Man. On a deux Blu-ray. On a The Amazing Spider-Man, donc là, ça doit être le premier. Et The Amazing Spider-Man, le destin d'un héros, donc ça doit être le deuxième. Ah oui, celui-là, je l'ai vu. Oui, avec l'employé de bureau qui devient. Qui voulait aider Spider-Man. Et qu'en fait, ça se retourne contre lui. D'ailleurs, on a une suite, apparemment, quand on voit la fin, on a l'impression qu'il revient à la vie, lui. Bon, je vous spoil pas, hein. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas vu, n'écoutez pas, désolé, hein. J'espère que vous n'aurez pas spoilé. Donc, c'est lui, là. Et donc, c'est Amazing Spider-Man avec l'acteur, c'était... Merde, je ne me rappelle plus son nom. J'ai son nom au bout de la langue, mais... Je ne me rappelle plus, il n'y a pas son nom marqué dessus. Non, il n'y a pas marqué son nom. Ah, ça doit être marqué là. Aviral, maintenant, The Amazing Spider-Man 2, Andrew Garfield, voilà. C'est ça. Avec Andrew Garfield. Donc, c'est mon premier Blu-ray que je prends dans mes vidéos de live, mais c'est pas le premier Blu-ray que je prends de ma vie, hein, non plus. Hein, faut déconner. Hein. J'en ai plein d'autres. Ah, ouais, non, que je dis. Non, c'est pas le premier. C'est vrai. Il y avait les X-Men que j'avais récupéré il y a 2-3 semaines. Un vide-grenier sur Chaville. Ça me revient. Désolé de l'erreur. Et là, le seul jeu que j'ai récupéré, c'est même pas un jeu PlayStation 3. Parce qu'il n'y a pas longtemps, mais il y a 2-3 jours, il y a eu son procès de Johnny Depp. Et c'est un jeu Xbox 360. C'est Pirates des Caraïbes jusqu'au bout du monde. À mon avis, il devait être neuf, mais comme les gens, ils ont dû regarder pour voir si le DVD était bien dedans. Donc du coup, bah, ils l'ont ouvert. Parce qu'il est vraiment, vous voyez là, il est vraiment quasiment tout neuf le truc. Malheureusement, je crois que le CD. Ah bah non. Si, si, c'est des tout neufs. Franchement, il est juste poussiéreux, mais sinon, il est tout neuf. Voilà, c'est le seul jeu que j'ai récupéré aujourd'hui. Donc, c'est Pirates des Caraïbes jusqu'au bout du monde. Donc, voilà, c'est pour la collection. Je l'achèterai de toute façon sur la PS3. Parce que je sais plus s'il y est sur la PS3. C'est tout pour ce compte rendu. J'ai récupéré un seul jeu Xbox 360. J'ai récupéré un seul Blu-ray The Amazing Spider-Man Evolution Collection. J'ai récupéré un petit livre sur Star Trek, donc Super Star Trek, l'univers de Spock. Et après, j'ai récupéré tout ça en DVD. Je crois que c'est tout, hein, j'ai rien oublié maintenant. Hop, c'est bon, il n'y a plus rien à la besace. Donc ça fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ça fait 17 DVD, un Blu-ray, un livre, bon, un roman. Et un jeu Xbox 360. Merci d'avoir regardé ce compte rendu et ce live vide-grenier. Merci encore pour les vues que vous m'avez données sur le dernier vide-grenier que j'avais fait là, le 16, je crois que c'était le 16 avril, si je ne dis pas de bêtises. Et ça a monté d'un seul coup. On est passé de 643 vues à 1400, plus de 1400 vues. Merci encore à vous. Ça fait vraiment très plaisir avoir autant de vues en si peu de temps. En 7 mois d'existence sur ma chaîne, je crois. Donc merci encore, c'est super. N'hésitez pas à vous abonner parce que j'ai besoin des abonnements, parce que là je suis vraiment à 145 et non, 146 parce qu'il y en a un qui tout à l'heure qui m'a rajouté. Donc faut augmenter, il faut faire péter la barre des scores, faut arriver au 1000, comme ça active vous savez quoi,
pas assez de détails, mais au moins j'aurai plus de visibilité si je suis à 1000 abonnés que bah, 145, malgré que j'ai beaucoup eu de vues là en une journée. Plus de 600 vues en une journée, c'est pas mal. Merci d'avoir regardé ce compte rendu. Rendez-vous pour le prochain compte rendu, je sais pas, peut-être samedi, dimanche, selon ce qu'il y aura, comme dit le grenier, s'il pleut pas, bien sûr. Et s'il pleut, ça sert à rien, il n'y aura pas dit le grenier. Hein. Les gens ne vont pas venir. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre le petit pouce bleu, et surtout, mettez des commentaires. Ciao les amis.